Antoine 109. Pascal the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in. Finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien. On va rentrer dans le top 4 maintenant. J'ai oublié Norman Powell. C'est ce que j'allais dire, top 4, il t'en manque un. On va passer à Norman Powell. Alors, hop, voilà, per game. Norman Powell, il tourne à 16,4 points. En fait, on a beaucoup de bons tireurs de loin. Il était à presque à 40%, 39%. En combien de minutes de jeu? En, oui, 29, pratiquement 29. Ouais. 1,3 interceptions. Pas beaucoup de déchets, juste 1,5 ballons perdus par match. Powell, ah oui, je l'ai mis trop bas dans le tableau en fait. Moi, je lui ai mis 16. Coach Etienne lui a mis 17. Max lui a mis 16. Alex lui a mis 14. Et Victor lui a mis 17. On va commencer avec Etienne. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis sur lui? Je suis en train d'essayer de retrouver ce que je t'ai écrit. Parce que, en fait, ce joueur-là, il a. Pour moi, il a vraiment surclassé mes attentes, encore une fois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mike, on en a beaucoup discuté de ce joueur-là. Moi, je te disais toujours, et je te le disais encore en janvier, c'est un éternel sixième homme. C'est-à-dire que c'est vraiment son rôle. C'est un petit peu voilà, comme ce qui se passe un petit peu chez que tu peux voir à Golden State avec l'usage des sixième hommes, tu sais, qui rentrent sur le terrain, qui vont donner tout de suite l'impact, qui vont même, pourquoi pas, permettre de remettre un petit peu le ton si on démarre trop lentement le match. Pour moi, il jouait vraiment ce rôle-là. Et ben, il m'a remis sur mon banc à moi. Parce que je pensais pas qu'il pouvait faire partie d'un 5 de départ comme ça. Je pensais pas qu'après un retour de blessure, le mec, il pouvait emballer le public à ce point-là, avoir des impacts, comme quoi il avait d'ailleurs, il commençait un petit peu à tirer sur du shoot à 2 points à mi-distance, qui sont des shoots très dangereux, dans un jeu basket qui est très élargi aujourd'hui. On a vraiment plus l'occasion de driver sur un dribble, tir au niveau des lancers francs ou tir à 45 à 1 mètre derrière la ligne, devant la ligne, pardon. Et ce joueur-là complète complètement ça, malgré son physique, en fait. Et pour moi, c'est un joueur indiscutable du top 5 des Raptors. Parfait. Norman Powell, tu lui avais mis 17, c'était la meilleure note. Avec Victor. Victor, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Norman Powell? Encore une fois, moi je pense que c'est encore une confirmation pour Norman Powell. Le côté slasher, moi j'aime beaucoup ces joueurs-là. Mmh. Il peut démarrer de n'importe où et aller te mettre un dunk à deux mains d'une violence telle sur un ou deux joueurs adverses, c'est assez fou. Je trouve que justement, et Etienne le précisait assez bien au niveau du côté sixième homme, c'est-à-dire que c'est le mec, voilà, tu commences avec ton 5 un peu tranquillement, tu vois que soit le match s'emballe de ton côté, tu peux faire reposer un joueur majeur, et puis derrière tu sors un Norman Powell, bah, je peux te dire que l'adversaire il tire un peu la gueule, ou alors justement ça va pas trop, t'es pas dans le rythme, et bah, t'envoies un Norman Powell, bah, lui il va peut-être donner un petit peu plus de rythme, un peu plus de rapidité. Je trouve qu'il fit parfaitement avec le jeu actuel en NBA. Maintenant, faut voir avec ce qu'il y a avec la suite, comment il va évoluer. Mais là, quand on voit les stats, je pense qu'il était Player of the Week ou Player of the Week là sur la dernière semaine avant la coupure NBA. Il tournait à 31 points et quelques. Enfin, c'était absolument monstrueux. J'ai plus les stats, mais je sais que c'était 31 points de moyenne sur cette semaine-là. Il portait littéralement l'attaque des Raptors. Très très content de l'avoir à nos côtés et surtout à ce prix-là, parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup le paieraient beaucoup plus cher pour ce qu'il fait actuellement chez les Raptors. Encore un bon coup de Masai, comme quoi finalement derrière chaque grand joueur ou chaque très bon contrat, on a toujours un Masai un petit peu dans l'ombre qui joue le marionnettiste. Parfait. Je vais vous rejoindre sur Norman Powell. Moi je lui ai mis 16. Pour moi, il a vraiment fait une très grosse saison. C'est vraiment la saison de l'éclosion pour lui, parce que jusqu'à cette année, on se demandait toujours, est-ce que Norman Powell, c'est un joueur qui va éternellement avoir un gros potentiel, mais qui va pas en profiter au maximum. Et finalement, cette année, il a vraiment montré de quoi il était capable, un peu à la suite ce qu'il avait fait face à Milwaukee en playoff, où il avait été exceptionnel. En fait, il est resté un peu sur cette dynamique. Et ce qui a été très fort pour moi, c'est malgré les blessures. Powell était bon, il se blesse. Généralement, on dit, bon,
c'est pas grave, il va être moins fort, on peut lui pardonner. Et non, le gars, il revient, il est toujours aussi fort. Il se reblesse, il revient, il est encore aussi fort. Et ça, c'était vraiment un gros plus, un gros boost en sortie de banc. Et au point même de se demander, est-ce que Norman Powell devrait pas être dans le 5 de départ titulaire sur le poste 2? C'est vraiment une grosse question qui se pose, surtout avec Fred VanVleet qui pourrait partir cet été. À mon avis, ça va rentrer dans le cerveau de Masai qui va se poser la question. C'est pour ça que, comme on l'avait dit dans le podcast précédent, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de playoff pour l'instant. Peut-être on en aura, on va voir, à Disneyland. C'est possible. Pour voir qui de Norman Powell ou Fred VanVleet, ou les deux, ça serait très bien, vraiment porte l'équipe ou augmente son niveau de jeu lors de ses playoffs. Donc c'est vraiment ça qui est dommage de pas avoir de phase finale. Mais ouais, Powell, c'est vraiment la grosse satisfaction. Je pense que Max, tu me rejoins, tu lui as mis 16 aussi. Ouais, et moi j'ai mis en commentaire que c'était mon coup de cœur de la saison. Derrière Kyle Lowry, c'est mon deuxième joueur préféré des Raptors. Il a fait vraiment une super saison dans tous les points. Il a progressé partout. Il a doublé, enfin presque doublé son nombre de minutes. Il a augmenté son pourcentage à 2 points, son pourcentage à 3 points, ses rebonds, ses passes. Il a progressé dans tout et il a seulement starté 23 matchs. Donc, c'est pas beaucoup. Mais chaque fois, comme tu dis, il est revenu plus fort après ses blessures. Et moi, vu comment il joue là, moi, clairement, je vous le veux dans le 5 l'année prochaine. Et peut-être même, si ça reprend, pourquoi pas, même si pour le moment, il y a VanVleet. Mais si on regarde les stats de Fred VanVleet et de Powell, et qu'on compare vraiment les deux, c'est presque Schouvert et Verschou, c'est exactement la même chose en fait. Ils ont quasi les mêmes stats si on compare les deux. Donc moi je crois que j'ai mis, on va en venir à Fred VanVleet après, j'ai presque mis la même note que Powell, je l'ai juste mis un peu en dessous, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il a plus de minutes que Powell pour les mêmes stats, c'est tout. Parfait, on va passer à Alex. Alex qui a été un peu plus sévère avec Norman Powell, tu lui as mis 14, est-ce que c'est en raison des blessures ? Alors j'aurais dû mettre plus, je pense, à Powell, clairement. Encore une fois, le 7 était sur 10, donc multiplié par 2 monte à 14, on n'est pas si loin du 16 si j'avais mis un point de plus. J'avais mis 8 sur 10, par exemple. Donc ouais, voilà, tu vois, c'est ça. L'écart est très, très proche, mais voilà. Ça se joue. Effectivement, oui, moi, c'est plus le côté frustrant, en fait, avec Norman Powell, c'est que j'ai l'impression que tous les ans, c'est le même scénario. C'est-à-dire que son début de saison, il fait ses stats, ça, dans son coin, on n'en entend pas trop parler, ils se font dans le paysage. Puis petit à petit, il monte en rythme, il commence à faire des grosses performances, tac, 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 tout va bien, ça s'enchaîne. Pan, une blessure, une luxation de l'épaule, et puis il est absent pendant plusieurs semaines. Et quand il revient, on se dit, ah putain, qu'est-ce que ça aurait donné s'il ne s'était pas blessé, parce qu'il revient, il est toujours au niveau, quoi. Et tous les ans, on a l'impression que c'est ça, qu'il y a une blessure qui vient l'éloigner des parquets pendant plusieurs semaines. Et du coup, c'est presque frustrant. Alors, il y est pour rien, hein, c'est pas le problème. Mais non, Norman Powell, c'est un joueur que j'adore. Il est là, il est lui aussi parfaitement capable de foutre le feu à la salle, ça, il y a absolument aucun problème. C'est un des plus anciens du roster aussi, si je ne m'abuse. Il doit être là depuis plusieurs années maintenant. Faut avouer qu'il a le mérite d'être toujours là. Donc, c'est qu'on sent bien qu'on a besoin de lui. Maintenant, en ce qui concerne le débat de qui doit être titulaire au poste 2 entre Fred VanVleet et Norman Powell, si effectivement les stats sont très semblables, je préférerais garder Norman Powell en sixième homme pour ce que disait Victor tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est capable de rentrer dans un match quand ça se passe bien et qu'il faut faire reposer les cadres, ou alors quand ça se passe moins bien et qu'on a besoin de lui pour dynamiter un petit peu, apporter un autre rythme. Je pense qu'il a cette capacité-là, que VanVleet aura peut-être un petit peu plus de mal en tant que sixième homme, mais ça reste encore à prouver. Oui, on va en parler pour VanVleet après. On va passer à OG Anunoby. OG, notre jeune OG, qui fait une saison à 30 minutes par match. Il a vraiment retrouvé le poste de titulaire après le départ de Kawhi. 30 minutes par match. Il a joué 63 matchs. Donc, il n'en a raté qu'un seul. Parce que si je ne me trompe pas, Terence Davis en a joué 64. C'est le seul qui joue tous les matchs cette saison. Donc, OG, il a joué tous les matchs en dehors d'un seul. Je crois que c'est quand il s'est fait mal à l'œil, quand il avait pris un coup dans l'œil. Il tourne à 10,7 points quand même, OG, cette saison. Il est à 5,4 rebonds. Et après, on les passe, c'est pas très important. L'adresse à 3 points n'est pas mauvaise, 38%. Et field goal général, 50%.
Les notes par rapport à OG, moi je lui ai mis 14. Coach Etienne, tu lui as mis 15. Max, tu lui as mis 14. Alex, 12. Mais je pense que c'est encore la notation sur 10 qui influe là-dedans. On changera les notes après pour faire le visuel de l'émission, je pense. Tu me diras ce que tu voudras changer. Et Victor lui a mis 16. On va commencer avec Victor qui a mis la note la plus élevée pour OG Anunobi. Ouais, non, mais je suis très content encore une fois de l'impact de OG sur l'équipe, le fait qu'il ait retrouvé une véritable place après le départ de Kawhi. Et je pense que je ne suis pas le mieux placé pour parler de façon élogieuse de OG Anunobi. Je pense qu'un certain Nathan le ferait bien mieux que moi, mais il est sûrement bien trop amoureux de ce joueur pour en parler de façon modérée. Non, mais blague à part, franchement, très content. C'est un joueur voilà, qui a su apporter, qui défensivement donne de l'impact. Il commence à avoir du shoot à 3 points, il commence un petit peu plus à aller vers le panier, à ne pas avoir peur de prendre parfois une ou deux claques, un petit coup de coude dans les côtes. Ça, il n'a plus peur. Donc ça, c'est assez agréable à voir qu'il évolue et que finalement, à l'époque où on l'avait drafté, il y avait des doutes sur son état physique, sur sa possibilité que son genou rechute, parce que je me souviens qu'on l'avait drafté, il sortait des ligaments croisés ou il venait juste de les faire. Enfin bref, il y avait des doutes qui subsistaient. Et ben, mine de rien, encore une fois, Masai a su faire confiance à un joueur et il le rend bien. Donc je suis plutôt content de l'apport et sa note va en totale adéquation avec ce que je peux dire, puisque voilà, il a quand même la tâche de reprendre le poste 3 qui était occupé par un certain joueur avant qui allait être sûrement qui est encore difficile à oublier. Très bien. Qui veut enchaîner sur Oji? Moi j'ai mis 14. C'est une belle note, c'est pas une note incroyable. C'est la plupart de sa note est grâce à sa défense qui est exceptionnelle. Moi j'attends juste qu'il prenne plus de tirs, plus de responsabilités dans notre jeu. Il a des stats qui sont pas mal, des pourcentages qui sont bien, qui restent corrects. Et s'il prend plus de tirs, parce qu'il en a seulement pris 527 en 63 matchs, ce qui est quand même pas énorme, dont pour 267 réussis. Donc si on divise 267 par 63, ça fait pas beaucoup de tirs par match. Donc, vous dites qu'on a 8 tirs par match. 8 tirs par match. 10 points en 8 tirs, c'est pas dégueulasse. C'est pas incroyable. Ben, voilà. Après, c'est surtout à ça. Il faut qu'il prenne plus le jeu à son compte. Maintenant, j'attends pas ça de lui maintenant. J'attendrai ça de lui peut-être l'année prochaine ou plus tard. Mais il est encore très jeune. Hein, donc, mais voilà, il fait une belle saison. Alex, est-ce que tu veux revoir le 12? Oui, on pourra le revoir, c'est clair. En fait, ce qui pèse sur Anunobi, c'est que ben, quand tu es la cinquième option offensive de ton équipe, effectivement, ben, tout de suite dans les stats, ça se voit moins. Ton impact se voit moins, mais défensivement, il est impressionnant. Moi, j'ai encore en tête la dernière séquence face à Brooklyn. C'était face à Dinwiddie, il me semble, où il le lâche absolument pas et Dinwiddie est obligé d'envoyer une brique monstrueuse, mais parce qu'il y a OG Anunobi qui le lâche absolument pas d'un seul millimètre, et ça c'est ce qu'on aime chez ce gars-là. Il est capable de également aussi quand il est bien lancé en transition, ça c'est du régal pour Kyle Lowry quand il intercepte un ballon et qu'il voit OG prêt à courir comme un dératé vers la raquette adverse, aucun problème, il sera trouvé, ça c'est sûr. Ouais, on peut, moi je lui ai mis 12, donc je lui avais mis 6 sur 10, on peut facilement monter à 7 sans problème, sans compter qu'à mon avis il en a encore sous la pédale, et donc on a hâte de voir ce que ça peut donner dans les années suivantes. Et comme disait Victor, c'est encore une fois, j'ai l'impression de me répéter sur quasiment chaque joueur, mais encore une fois, il vient de 12, gamin, quoi. Personne ne l'a vu venir, il y avait des doutes au moment de sa draft, et Masai a dit non, faites-moi confiance. Je sais pas si lui ou un de son entourage a une boule de cristal, un almanach des sports ou un truc comme ça, mais il a un coup d'avance, Masai, à chaque fois, hein. C'est impressionnant. Parfait. Etienne, ton avis sur Oji, tu lui as mis 15. Moi, j'aime bien ce gamin, j'aime beaucoup Oji, il est athlétique, il a une. Pour moi, le plus beau tir de l'équipe. En termes de gestuelle et de mécanique, quand tu le vois à l'échauffement ou même quand tu le vois tirer dans son corner à 0 degré, c'est techniquement vraiment impressionnant. C'est un gamin qui a beaucoup évolué d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, généralement ce qu'on attend des joueurs qui sont forts dans les qualités athlétiques, c'est de driver, d'aller vite au panier et pourquoi pas faire comme Terence Davis, claquer des dunks
ou éventuellement envoyer une passe à la dernière seconde, avoir des joueurs avec la vision de jeu. Mais non, OG Anunoby, lui, il est capable d'attirer à l'extérieur à 3 points en fin de temps. Il est même capable d'aller tirer jusque-là. Je ne sais pas si vous avez une stat, mais sa moyenne de points a augmenté. Elle était de 5 la première année, de 7 la deuxième, de quasiment 11 la troisième année. Il est en évolution constante. Et il a 17 cette année. Ouais, et sa stat à 3 points, elle a augmenté de 10 percentiles, ce qui est pas trop mal. Il est pas loin des 40%, là, il va s'en rapprocher, j'espère l'an prochain, ce qui est pas trop mal. Maintenant, OG Anunoby, il est de 97, il est encore jeune. Je pense pas qu'effectivement, je crois que c'est Victor, je crois que t'as parlé du fait que effectivement c'est difficile de remplacer la pointure qu'il a pris au même poste cette année. Voilà, moi je pense que ce joueur-là peut prendre en maturité. Je suis vraiment tout à fait du même avis que Maxime. Je pense que je l'attends pas encore l'an prochain. Je pense qu'il a encore une année de maturation à venir. Mais ce joueur-là, je pense qu'il sera effectivement un élément beaucoup plus important à l'avenir. Et Masai a vraiment fait un bon taf en le prenant sous son aile. OG, je suis dans votre lignée sur le côté défensif. En fait, moi, je ne l'ai pas mis plus. La seule chose qui me gêne avec OG parfois, c'est son état d'esprit, en fait. On a l'impression, si on pouvait avoir un OG Anunoby agressif et guerrier à chaque match, ça serait exceptionnel. Parfois, on a l'impression qu'il manque de hargne. Après, il est comme ça. Il est un peu nonchalant, mais après, c'est son personnage. Donc, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va changer. Il faudra faire avec. Après, il y a des joueurs qui donnent cette impression et qui sont efficaces. Donc, défensivement, ça reste un monstre malgré cette impression-là. En attaque, comme vous avez dit, Étienne et Max, pour l'instant, j'en attends pas plus. Il faut qu'il développe son handle encore. Il faut qu'il développe son tir à 3 points, même si c'est très bon. J'avais pas fait attention qu'il est quand même déjà à 38% de réussite à 3 points. Il a fait un gros début de saison. Je sais pas si vous vous rappelez. On s'est dit, certains moves, on dirait c'était Kawhi. On s'est dit, Kawhi, il est pas parti, en fait. C'est OG maintenant. Bon, ça, après, c'est un peu redescendu. Il a eu un petit creux. Il est revenu. C'est encore up and down, mais il est jeune. Donc, ça me dérange pas. Tant qu'il continue à être aussi fort défensivement, qu'il finit ses actions off-ball, parce que c'est un joueur qui a encore besoin de ses coéquipiers pour scorer. C'est pour ça que je lui en demande pas plus. Pour l'instant, j'attends pas qu'OG, je le dis tout le temps, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent les podcasts régulièrement, ils vont dire, oh, celui-là, il radote, mais je le dis tout le temps, OG, pour l'instant, j'attends pas de lui qu'il prenne la balle, qu'on le mette en iso, en pick and roll, et qu'il nous crée quelque chose, qu'il crée son shoot ou quoi. Pour moi, si OG, déjà, il met ses corners, ses tirs dans le coin à 3 points, il finit sous le cercle, et il fait la bonne passe quand il est bloqué, ce qu'il a tendance à pas faire. Quand il est sous le cercle, il a tendance à y aller, se faire contrer ou rater quand c'est compliqué. Si déjà il progresse là-dedans, dans sa lecture de jeu, moi, ça me va pour la saison prochaine. Qu'il tourne à 10, 12 points encore, qu'il continue à être fort défensivement, qu'il progresse petit à petit. Et comme a dit Étienne, d'ici la saison suivante, peut-être là, on pourra le voir encore se développer un peu plus offensivement. Donc voilà, je l'ai mis 14. Ça aurait pu être peut-être un peu plus après réflexion, puisque malgré tout, il a des bonnes stats pour la cinquième roue du carrosse. D'un carrosse qui n'en a que 4, normalement. Mais voilà. Victor, tu voulais rajouter quelque chose sur OG? Non, je voulais rajouter rebondir sur ce que tu avais dit par rapport à OG, c'est que son caractère fait qu'il n'est pas très expressif. Et tu disais qu'il y a des joueurs qui ne sont pas très expressifs, mais qui sont efficaces. C'est la description de Kawhi Leonard. Enfin, je ne veux pas dire que OG est le futur Kawhi. Évidemment, je ne dis absolument pas ça, et je préfère le dire avant que certains viennent sous le podcast en disant « Ouais, mais on ne va pas non plus annoncer le futur Leonard à Toronto. » Je dis pas ça, je dis juste que un joueur qui est pas forcément expressif, c'est pas forcément un joueur qui n'arrivera pas à se développer. Preuve en est, Kawhi Leonard, aujourd'hui, tout le monde se l'arrache. C'est un joueur exceptionnel qui a supporté une franchise dans une situation compliquée jusqu'à un titre NBA. Donc voilà, c'est juste pour montrer aussi que des fois la comparaison elle peut être assez drôle. Alors évidemment, on espère qu'il devienne du même niveau à Anunoby. Mais bon, après, ça reste du domaine du peut-être, et ça sera à OG de nous faire mentir sur le fait qu'il ne sera pas le prochain Kawhi Leonard. Ouais, j'allais exactement dire à peu près la même chose. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure, c'était Maxime qui parlait un peu de nonchalance, d'état d'esprit un peu parfois dont on peut douter. Moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup chez OG, c'est cette humilité qu'il a dans sa présence. On a l'impression qu'il est ouvert à n'importe quelle critique. Il rate un truc, si c'est Kyle Lowry qui vient le voir, si c'est Nick Nurse, si c'est Serge Ibaka, si c'est Marc Gasol, le gars va écouter la consigne et derrière, il va essayer de mettre en application. C'est l'exemple typique
de l'élève qui est là en disant « Ok, moi, tout ce que je peux apprendre, je le prends, et quand j'aurai besoin de prendre mes responsabilités, je pourrai m'appuyer là-dessus. » Est-ce que c'est ce qui l'empêche de se développer peut-être un petit peu plus vite ? J'en sais rien, mais moi, quelque chose qui m'a marqué, je vais revenir sur l'action contre Brooklyn, dont je parlais tout à l'heure. Il arrive à empêcher le shoot de la gagne. Derrière, il va pas exploser de joie, genre « j'ai fait l'action pour nous permettre de l'emporter » ou quoi. Le mec a filé droit au vestiaire. « Ok, on a gagné un match de saison régulière, on passe à la suivante. » Pour moi, c'est du typique Kawhi Leonard, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la validation à la fin, on n'a rien fait. C'est exactement le discours qu'avait Kyle Lowry dans son vestiaire aussi, après avoir gagné à Golden State. On n'a rien fini encore. Tout reste encore à faire. Et bien, Oji, j'ai l'impression qu'il est parfaitement dans cet état d'esprit. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît dans ce gamin qui a vraiment beaucoup encore sous la pédale, j'en suis persuadé. D'ailleurs, il a même écouté Serge, il a mis une écharpe. Bonne conclusion de Max. Lowry for three.